Pancarte nommé yon chant de revendication, c'est comme ça diverses femmes journée jodi an la tap foulé béton la rue Port-au-Prince pour dire non avec yon série de mauvais traitements que yo même yo estime que y a subi dans société haïtienne nan. Mesdames Sayo qui fait tête passe comme féministe estime que journée jodi an la yon femme ta supposé libé pour l'apprendre n'importe métier que garçon apprendre. Journée jodien là, nous capable joindre yon femme kap apprendre maçon, yon femme kap apprendre ferronnerie, yon femme kap apprendre mécanicien. Malgré nous konnen métier ça aussi métier qui mande en pile énergie, mais mesdames yo fait konnen ça pas problème, yo même yo ta supposé gen droit faire toute tâche que yon garçon ta fait dans pays ya. Yo même aller plus loin pour faire konnen que journée jodien là, même gens yon garçon gen droit pour le faire salvele, yon femme gen droit tout pour le faire salvele. Quitte dans tâche ménagère, quitte dans l'autre activité politique ou l'autre bagaille en dans pays d'Haïti. Avant même qu'on aille plus loin, quitte de saluer et puis remercier ou même qui regarde des vidéos ça, ou même qui est un fan inconditionnel, ou même qui souvent a partagé, liké, commenté, sans oublier abonner avec Chanel là. Un remerciement spécial si vous faites tomber sur Chanel ça et ou déjà abonné et puis activer cloche notification. Laissez-nous rappeler, les abonner et puis activer cloche notification, c'est plus encouragement ou ba nous pour nous capables continuer avec travail là. Pas oublier, c'est toujours un plaisir à chaque fois que moi-même servite pour Paul Lukens des caméras ça pour venir présenter une nouveau vidéo. Et bien comme d'habitude, n'a pas un coup de pause, n'a pas tourner après. En pile femme estime que journée jodi an la dans société haïtienne nan yo souvent mette mesdames yo sous côté dans politique pays ya nan on série de tâches en dans pays ya mesdames yo souvent pa gen place yo et bien on t'a foulé béton pour faire konnen que même jan yon garçon gen tout droit en dans pays ya yo même tout en tant que femme yo supposé gagner tout droit. Journée jodi an la pa ka discriminer yon fille qui choisit apprendre faire maçon, apprendre ferronnerie ou bien yon l'autre métier nous connaît qui mande en pile énergie. Mesdames sa ou qui estime que journée jodi an la femme kouti finou yo pa ta supposé a subi violence sexuelle sous aucun forme. Violence ka fait en dans la caillou, violence ka fait dans la rue, violence ka fait peu importe côté lié à mesdames yo pa ta supposé a subi bagay ça. Et bien journée jodi an la en pile nan mesdames sa yo fait konnen que journée jodi an la yo même yo gen tout droit yo en tant que femme et garçon pa ta supposé pi ou passe yo tout monde ta supposé nan même niveau. Eh bien, bon, laisse vous regarder et puis tendez avec attention, mesdames Sao qui t'a répondu question collaborateur nous. Tendez avec attention et puis après nous-mêmes n'a pas tourné. Aujourd'hui, c'est 3 avril qui c'est journée nationale mouvement femmes haïtiennes. Nous venons là premièrement devant le ministère des conditions féminines pour nous reporter les revendications. Mais tout le monde ministère pour lui prendre la responsabilité pour protéger les femmes actifs, pour lui désolidariser tout et prendre position contre le gouvernement PHTK qui continue à détruire la vie. Ok, dis-nous, et qui j'en comprends, je veux dire, famille dans diverses activités en Haïti, parce que assez souvent, si on dit maçon ou un garçon, si on dit ingénieur plus un garçon, alors qu'on va la supposer comme ça. Bataille nous, est-ce que c'est plus allié ou bien nous avons l'autre objectif? Bon, bataille nous, on a goûté pour une réelle égalité entre femmes et garçons. Pour femmes, il y a accès à tout espace dans le pouvoir, que ce soit espace politique, espace public, pour jouer de droit et qu'on devoir tout. Nous-mêmes, c'est pour ça la poumée et c'est pour ça nous la jodions. Papa, c'est femmes qui ont été engagées au tout. Femmes qui ont été engagées, regardez femmes qui ont la jodions. Bon, Marie-Jeanne seulement comme organisation féministe recevoir plus de 100 cas de femmes qui victimes de viol dans le quartier populaire et nous toujours continuons à recevoir d'autres. Ça c'est la première responsabilité nous en tant qu'organisation féministe.
Mais tout nous offre diverses qualités de service, que l'autre organisation qui offre service tout. Nous-mêmes, première bataille, nous avons fait ces batailles pour l'égalité entre les garçons. Mais tout nous connaît, ça va pas venir, ça que nous pas offrir service. Et c'est notre objectif ça qui fait que Marie-Janine, même peut-être pas, il y a pas 6 programmes pour la pauvreté, programmes pour formatifier, services pour formatifier. Alors, depuis quand vous avez une raison qui peut se faire la rue à Jésus à Pantagnamon pour avoir. C'est ensemble violence qui a fait ces femmes, que ce soit dans l'université, dans la rue, dans le foyer, dans la famille, nous, ensemble violence qui a fait nous, il a violé nous, il a fait qu'ils ont agi nous, il a joué nous, et nous ne pas vivre, et nous ne pouvons vivre là. C'est ça qui nous met dehors dans la rue aujourd'hui. Et c'est pour renouveler l'engagement pour lutte qui a fait là, qui commence un bon moment. Et 3 avril, nous avons marqué un jour qui est important pour nous, c'est la journée de lutte droit femme haïtienne. C'est ça qui mettait nous dehors pour nous gourmer aujourd'hui. Si pas que toute violence, c'est sûr que nous sommes conscients sur notre cause. Mais comme il y a violence, nous-mêmes nous prenons la rue aujourd'hui pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec la violence. Parce que la violence n'est pas fait nous bien. Nous sommes les gens pour tout le monde, nous sommes les gens pour les garçons. Et Mme Sarayo, c'est comme ça, mesdames qui sont dans l'université. Nous avons besoin d'égalité femmes. On s'en a fait dans son monde. Nous avons besoin de violence, même au Kaba. C'est ça qui mettait nous dans la rue. Et plus femmes nous ont fait technologie. C'est pour dire que, mesdames, vous avez des domaines que vous excluez là-dedans. Même si une femme lui-même, lui allait dans l'université pour lui apprendre, un métier qui a rapport avec la technologie, si on a seulement à faire, soit l'équité, ou bien pas connaître. Ils prennent leur décision. Nous besoin plus mesdames dans le domaine technologique parce que tout domaine c'est pour tout le monde. Il y a mesdames tout qui ont envie faire technologie, il y a mesdames tout qui ont envie faire science sur. C'est pour ça nous-mêmes nous prenons aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a fait l'écrit plus femmes dans la technologie. On va passer mesdames tout personnellement à se poser engager au plus et des activités que les garçons souvent font parce qu'en Haïti, il y a des bagages là où est tout ces garçons, là où est tout ces filles. Mais est-ce que papa, c'est qu'on a supposé qu'on mélange qui fait plus par rapport côté mesdames, surtout dans la politique, etc. en Haïti, je vous dis, pour vous faire les droits respectés. C'est ça même dans ce qui est. C'est l'idée pour les femmes ou bien les garçons, et qu'on fait ça l'idée aussi. Mesdames, il y a des bagages que vous même vous voulez faire. Il y a une raison qui fait avoir des deux domaines, c'est plus garçons qui là dans c'est. Patriarcat qui a pesé pour mesdames qui fait des domaines, nous n'avons pas engagé là dans le bruit. Depuis que tu prends les levées, nous disons l'armée vaisseau, nous disons infirmière, c'est pour tirer le paillet. Or, nous-mêmes, nous voulons ingénieurs, nous voulons docteurs, nous voulons docteurs en sciences, nous voulons informaticiennes. Vous pas quel domaine nous voulons engager là dedans. Nous voulons des femmes maçons, parce que mesdames qui ont pris ça pour eux-mêmes. Nous voulons que vous pas discriminer nous, là où nous sommes, c'est le domaine, c'est ça même. Merci. Quelqu'un qui veut nous aller à l'arrière là, pour pas que nous tapions de nous, le fait qu'à des actions, nous allons nous bouger, nous allons nous côté pour nous faire une activité. Nous allons à l'arrière, nous allons nous faire l'école, nous allons manger, nous allons nous côté pour nous faire une activité. Nous venons là pour se faire faire pour nous ensemble avec nous. Vous pensez que je dis là, et doit faire nous menacer dans le pays? Oui, nous toutes ces femmes, femmes doivent nous menacer, femmes doivent nous en l'air, parce que femmes nous y est. Ok. Eh bien, j'en saute de là, eh bien, c'est comme ça, mesdames, vous-même, vous tapez répondre et question collaborateur, non, pour faire qu'on que même gens, yon garçon, gen tout droit pour le faire n'importe bagay dans la société, vous-même, en tant que femme, vous gen droit ça tout. Mesdames, ça, on a rappelé qui c'est féministe, qui souvent a défendu droit femme avec Tifi et estime tout que, journée jodian là, vous-même, vous gen tout droit pour vous faire n'importe ça, yon garçon qu'a fait. Vous voulez impliquer dans la politique pays, vous voulez impliquer nan nouvelle reconstruction qui Haïti lui-même nous même en tant que haïtien nous prévoit là et bien gens qui ou même ou sont et puis garder là et nous remercier ou même qui t'es prêté nous attention ou même qui est déjà abonné avec chaîne là sous fait rejoindre nous n'a rappelé ou qui sous channel pour là sou koué channel maman Pemba. C'est toujours un plaisir à chaque fois que moi même servite pour Paul Lukens DM ko ça pour venir présenter yon nouveau vidéo. Déjà me remercier ou même qui t'es prend le soin garder et puis tendez quand pour nous-mêmes n'a plaît sou li fait les pour aller on besoin nous encore dans l'autre vidéo pour un plus bon gens émission Foucault.
qu'à marcher.